La petite graine de tournesol, une belle histoire pour découvrir le cycle de vie du tournesol. Avec mes amis les graines, nous avons dormi tout l'hiver, bien au sec dans la cabane du jardin. Par une belle journée de printemps, le jardinier est venu pour nous réveiller. Je vous ai creusé un lit tout doux, sans mauvaises herbes ni cailloux, a-t-il dit en nous déposant délicatement dans la terre. Je me suis gorgé d'eau et quelques jours plus tard, des racines et une petite tige ont poussé. Ma tigelle s'est faufilée pour trouver la lumière et hop, je suis sortie du sol. C'était merveilleux de pouvoir admirer le jardin. Jour après jour, je grandissais. Mes feuilles se sont déployées. Au sommet de ma tige, un bouton s'est formé. Un matin d'été, mes pétales se sont ouverts. J'étais un splendide tournesol, jaune et radieux comme le soleil. Autour de moi, j'entendais des bourdonnements. Bonjour, fleur, m'a dit une abeille. J'ai un cadeau pour toi. Je vais prendre du sucre dans tes fleurons et en échange, je t'apporte du pollen pour que tes graines puissent grossir. Tout l'été, j'ai discuté avec les abeilles et les papillons. Les semaines ont passé et j'ai senti que je me transformais. Mes pétales se sont fanés, les graines grossissaient dans mon cœur qui devenait de plus en plus foncé. Fatiguée pour cette agitation, je commençais à m'endormir. J'ai fermé les yeux et, quand je les ai réouverts, j'étais à nouveau une graine. Le jardinier nous a ramassés. Il nous a mis dans un sachet en papier, bien au sec dans l'obscurité de sa cabane. Je souhaitais une bonne nuit à mes amis et nous nous sommes endormis pour tout l'hiver. Au printemps suivant, le jardinier m'a planté dans un trou bien douillet. Il a arrosé la terre et un magnifique tournesol a poussé.